Bonjour tout le monde, je suis venu voir si la pluie avait fait son effet. On voit que oui. Les petites morilles ont bien grossi. Apparition de deux nouvelles jolies. Bon, la petite a été croquée par les limaces, malheureusement. Bon, ça, on n'y peut rien. Et voilà la jolie aussi, ici. Bon alors, nous voilà dans le spot magique. Noisetiers, frênes. Une très très belle pousse. Et là, je vais vous en montrer vraiment des magnifiques. De toute beauté. Attention les yeux. Elles sont toutes allongées comme Americana. Voilà. Allez, on va essayer de prendre. Je vais essayer de vous montrer en train de la couper. Sont pas trop vilaines, ça va. Vraiment des morilles atypiques, hein. Vraiment, très allongées. Hein. Alors, vous, je pense que vous êtes beaucoup à vous dire, ah, il en trouve beaucoup, etc. Mais je cherche, mais comme je dis, je cherche, même dans les coins les plus merdiques qui peut exister. Hein? Et là, voilà, on a un poirier sauvage. Hein? Donc, quand je vous dis que c'est pas de la tarte, c'est pas de la tarte. La morille, ça se mérite. Tout est au mérite. Et là, je suis récompensé ce matin. Oui, car j'ai trouvé la grosse patate qui fait 200 grammes, je dirais. Elle est aussi grosse que ma main, voire plus grosse que ma main. Pour que les ronces ne voudront plus m'emmerder, parce que je m'en prends partout là. J'ai vu qu'il y en avait une deuxième à côté. Là, je suis en train de chercher dans les ronces. Allez, je vous laisse découvrir en direct. Voilà. 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 Une morille plus grosse que ma main. Et la deuxième qu'on voit là derrière. Hein? Mais voilà. Hein? Je vous ai pas menti. Donc, c'est tout au mérite. Faut les chercher. Faut pas faire en chier. J'ai passé des heures et des heures et des heures, hein, des fois à rien trouver. Et des fois, t'arrives et bam, t'en trouves une, t'en trouves deux. Tu sais pas pourquoi. Hein, elle pousse là et pas ailleurs. Donc voilà, c'est que du bonheur.
partager ça avec vous et à faire. Bon, on va la couper. Vidéo en direct. Elle est dans. Popopo. Voilà. La première grosse patate de la saison. Ça fait plaisir. On va couper celle-là aussi. Bon, donc voilà, j'ai coupé l'autre là-bas. Là, et voilà. Une autre mémère. Et une deuxième à côté, un peu plus petite. Hop. Le merle qui chante. Voilà, une autre patate encore. Magnifique. Bon, en voilà une que j'avais pas vue. Elles peuvent être parfois très très bien cachées. Un mimétisme parfait. Magnifique. Ah, la troisième, on ne l'avait pas vue. Voilà, en direct. Il y a beaucoup plu, donc la terre colle. Putain, juste devant mes pieds là où j'ai coupé les trois autres, j'avais presque le pied dessus. Là, il y en avait deux. Pas vilaine en plus. Encore une. Vraiment une pousse incroyable. En voilà encore deux magnifiques. Revoilà encore une. Deux. Trois, quatre, pas vilaine.
7. En voilà encore une jolie, cachée derrière une branche. Une petite dernière pour la route que j'avais oubliée. Voilà la coupe, voilà ce que j'ai ramassé sur une seule petite place. J'ai mis le temps à chercher dans les ronces et le lien.